Brico-Robot, à votre service. Bienvenue à cette mission, Brico-Robot. Il faudra que tu fabriques un dinosaure à partir de cette matière bizarre et élastique. Intéressant. À quoi est-ce que c'est censé ressembler, chef? Voyons de quelle taille est un dinosaure pour pouvoir en fabriquer un. Brico-Robot, montre-nous un dinosaure. Ça alors, c'est encore plus gros que dans mes souvenirs. Gros ou petit, Brico-Robot construit tout de jour comme de nuit. Constructus, Maximus, Dinosaurimus. Voilà, et un dinosaure, un. Brico-Robot, merci d'avoir fabriqué ceci. Il n'y a qu'un minuscule problème. Comment ça? Ce dinosaure est plat et tout petit. Il est censé être beaucoup plus gros et pas du tout plat. Exact! Si l'on se fie à mes calculs, ce dinosaure devrait être rempli d'air. Il nous faut donc un tuyau d'air. Un tuyau d'air? Et où est-ce qu'on va en trouver un? Il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux l'on amène. Il y a un robot pour ce boulot, c'est un champion de l'hygiène. Récu-robot, activation. Récu-robot, à votre service. Ça a l'air super bien rangé par ici, chef. Aujourd'hui, nous avons une mission spéciale pour toi, Récu-Robot. Il faudrait que tu utilises ton tuyau pour souffler de l'air dans cette valve. C'est l'heure du nettoyage. Gaz de Jupiter! Il est vraiment... Gros! Il ne reste plus qu'à fermer la valve pour empêcher l'air de sortir. Comme ceci. Maintenant, testons ma création. Ah! Il nous échappe! Pluie de comètes! Cette chose est incontrôlable. Oh, il faut l'arrêter avant qu'elle n'aplatisse la planète. Essayons de la ralentir. Grimpez. Désolé de vous rappeler une évidence, chef, mais jamais nous n'arrêterons cette chose. Ça va créer un désordre monstrueux. Un patrouilleur garde son calme, quelle que soit l'alarme. Nous devons réfléchir. Il doit y avoir un moyen d'arrêter cette chose. Par tous les anneaux de Saturne, Rover, la valve d'air. Excellente idée. Il faut que nous fassions sortir l'air, comme nous l'avons fait entrer. Si l'on se fie à mes calculs, il est impossible d'atteindre cette valve d'air. À moins d'être équipé d'un genre de fusée. La patrouille n'abandonne pas. Elle va au combat. Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1... Non, mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. Attention à la queue, chef. Et à la tête. Et aux pattes. Je l'ai. Fantastique! Maintenant, faisons sortir l'air! Oh. Accrochez-vous, chef! Wouhou! C'est génial! Super! Allez, c'est
cette fois, je te ramène. Oui! Youpi! Hurrah! Ouf! Bon, au moins le dinosaure ne fera plus de dégâts. Mais j'ai peur qu'il soit trop petit maintenant. En fait, chef, j'ai peut-être fait une toute petite erreur minuscule. En fait, plutôt une énorme erreur gigantissime. Vous voyez, je vous montrais un vrai dinosaure, pas un ballon en forme de dinosaure. Mais on s'est quand même bien amusé, non? Eh bien, voici un super dinosaure de taille sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut enfin dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Mon dinosaure! Ouah! Incroyable! C'est Roger le patrouilleur de l'air! Merci, Roger!